Bonjour à tous, Maxime Bossière, donc boxeur professionnel depuis plus de 4 ans maintenant, presque 5. J'ai 23 combats à l'heure actuelle, 22 victoires à match nul et 2 titres de champion de France. Aujourd'hui, l'objectif est de devenir champion d'Europe EBU fin d'année, voire début 2018, mais en tout cas le plus vite possible. Moi, j'ai commencé la boxe à 11 ans avec mon frère. On a commencé tous les deux, il avait 8 ans. Moi, personnellement, j'avais fait quelques autres sports avant, mais c'est vraiment la boxe qui m'a séduit et qui m'a gardé avec elle. Ça a été vraiment une révélation et on n'a pas décroché depuis, jamais loupé un entraînement. Enfin, au début, c'était un entraînement en boxe éducative, un ou deux entraînements la semaine. Ensuite, ça a été presque tous les jours. Et puis maintenant, c'est 2 voire 3 fois par jour. Donc voilà. Et en amateur, j'ai fait plus de 75 combats et une bonne cinquantaine de victoires, je ne sais plus exactement non plus. 2 matchs nuls, je crois, puis le reste de défaites, mais avec chaque fois des bons adversaires. Et j'ai été 3 fois assez loin dans les championnats de France. J'ai gagné le tournoi Montana une fois en 2011 et j'ai été finaliste en 2012. Et je suis passé pro juste derrière. Des fois, plus on est loin, plus on est tranquille, loin de tout le monde, et c'est pas plus mal. Pour vraiment être concentré dans le combat. Pour les grosses échéances, j'essaye de partir maintenant. Quand je prépare des combats, généralement, j'essaye de faire ça en 2 phases, donc une phase de préparation physique, alors qui est faite sur camp maintenant chez mon préparateur physique, Florent Rouleau. Voilà, ça représente à peu près 3, maximum 4 heures de travail par jour, en 2 voire 3 séances. Donc ça, on fait ça sur 4, 5, 6 semaines. Ça dépend de l'échéance. Un aspect physique plutôt le matin, pour maintenir la machine en route. Et l'après-midi, c'est souvent du sparring, de la leçon, du sac, travail de déplacement, travail de shadow, voilà. C'est un sport particulier, on se retrouve devant quelqu'un. Alors on a notre équipe, on a tout ça, mais on est tout seul sur le ring. Et ça peut être à la fois des grandes joies quand tout se passe bien, quand on met l'adversaire KO ou qu'on gagne au point largement, et puis qu'il y a toute une foule pour nous soutenir et tout. Ça peut être aussi très ingrat si on se prend un KO, si on perd, si on est volé, si on est... Il y a tout ça qui peut se passer. Il y a tellement de choses, tellement de paramètres qui peuvent se passer dans la boxe. Maxime, c'est un bosseur. C'est quelqu'un, un bosseur, intelligent aussi. Euh,
En plus d'être boxeur, c'est un gestionnaire. Moi, je me suis adapté à Maxime. Sa force, c'est son mental. C'est vrai que j'ai une mentalité qui fait que j'avance et j'essaye de dominer mes rounds, de dominer mes combats. Donc moi, je me suis dit, là, force mentale, c'est extraordinaire. Maintenant, il faut lui donner force technique. Et moi, pour moi, la domination, elle passe souvent par le fait d'avancer. Mais pourquoi pas un jour me retrouver devant un adversaire qui m'oblige à reculer et le battre quand même, il va bien falloir. C'est pour ça qu'il est venu vers moi, parce que moi, je suis connu pour ce côté-là technique. Non, pas encore. Salem, c'est quelqu'un que ça fait, comme il est normand, qu'il a fait tous les circuits, qui fait aussi tous les circuits, championnats amateurs, tout ça. Ça fait très longtemps que je le connais. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et on a gagné aussi les ceintures Montana ensemble. Et c'est un petit peu de là qu'est partie l'histoire tous les deux. Et puis, quand il a fallu vraiment changer d'entraîneur, monter d'un cran au niveau du coaching et tout, c'est vers Salem, en France en tout cas, que je me suis orienté. Là, on est dans l'intensif. Je l'ai fait croiser avec un boxeur rapide, un boxeur en grand. Et un autre boxeur qui est très rapide, et voilà, vif. Donc en vrai, moi, c'est pour déceler les lacunes qu'il faut corriger tout de suite, immédiatement. Puis après, le travail de préparation technico-stratégique par rapport au combat qui s'approche. L'objectif, c'est d'arriver sur le ring extrêmement déterminé, en conquérant, vraiment concentré sur ce que l'adversaire sait faire, sur ce que moi je sais faire et la combinaison pour en sortir vainqueur. La boxe, c'est une école de la vie. Elle est définie comme telle et nous, on l'a compris comme ça.